Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et donc pour une vidéo où je vais parler de maquillage et où je vais vous présenter en fait ma petite collection de rouges à lèvres. Voilà, en ce moment j'ai une grande passion pour les rouges à lèvres, j'en mets tous les jours, voilà, je ne peux pas sans rouge à lèvres, voilà. Pourquoi? Voilà, ça m'a pris comme ça d'un seul coup, du jour au lendemain je me suis levée hier matin et voilà, rouge à lèvres, et j'ai envie d'acheter tous les rouges à lèvres qui existent, mais mon porte-monnaie dit de toute façon il n'y a plus de sous, donc il dit rien parce qu'il n'y a plus de sous, donc je peux rien acheter. Donc voilà, c'est je vais vous présenter ma petite collection. Voilà, j'ai alors si je remets durant la vidéo cette couette là tombe et que je me retrouve avec deux couettes comme quand on a 5 ans et qu'on va à l'école et qu'on a 5 ans, bah je suis désolée mais elle veut pas venir. c'est triste hein. Mais j'ai essayé de la refaire 20 000 fois, de mettre toutes les barrettes possibles et imaginables et elle veut se casser la gueule, donc tant pis, je m'en fous, tant pis. Voilà, si je vais pas m'arrêter pour une couette, donc voilà, si j'ai une couette qui tombe, si je m'arrête qu'il passe, on s'en fout, ok. Voilà, et si vous entendez les petits oiseaux chanter, bah c'est trop mignon. Et en fait il fait plus chaud dehors que dans ma chambre, du coup j'ouvre la fenêtre pour que ça réchauffe parce que sinon j'avais froid. Voilà, je vous ai raconté ma vie en une minute. Bon, on va peut-être passer à la vidéo maintenant. Et mes rouges à lèvres se présentent en fait dans un petit compartiment comme ça, un acrylique hein, que vous pouvez trouver partout. Je l'ai trouvé à Action, pas très très cher, je m'en rappelle plus exactement du prix. Donc voilà, ils remplissent tout sauf un. Voilà, mais il va pas tarder, je pense, à être rempli dès que j'aurai des sous. Donc voilà, mais ça c'est lourd, je vais le poser. Hein, et c'est placé en fait à l'endroit où je fais mon maquillage. J'ai prévu de vous faire un petit room tour de ma chambre et un room tour aussi de mon maquillage. Donc voilà, ça va arriver pendant les vacances. Ouais, je sais pas, que j'ai pas trop le temps. Là, j'ai trouvé un petit créneau pour tourner cette petite vidéo quand même, pour vous dire une petite vidéo et j'ai envie de la faire. Voilà, parce que la passion rouge à lèvres m'appelait. Donc, on va commencer par celui que je porte. Voilà. Donc, c'est le Vite Vite Matte Liquid by Colour Sensationnel Maybelline New York. Numéro 20 Coral Courage. Il est genre trop beau. J'aime trop. Donc, je vais swatcher sur là, mais là du coup je vais pas swatcher parce que je l'ai sur ma lèvre et que je vais pas user du coup. Ah. Voilà, parce que j'aime beaucoup trop. Il est trop mignon. Je voulais présenter mon favori de je sais plus quel mois. Bon, oui, il y a pas si longtemps. Il a tourné il y a un moment et puis que avec le temps j'ai pas eu le temps de vous publier. Hein. Voilà, c'est triste. Hein. Alors, le suivant, c'est un L'Oréal Paris, numéro 287, Color Rich L'Oréal Paris Super Clean Amethyst. Alors celui-là, c'est pas moi qui l'ai acheté. En fait, j'ai récupéré de ma mère. Voilà, c'est là. Voilà. Quand tu veux plein rouge à lèvres et que ton porte-monnaie dit qu'il n'y en a pas, tu piques ceux de ta mère. Donc voilà, c'est magnifique. Je mets une micro-pose parce qu'il y a un petit truc. Je reviens. Donc voilà, hein, c'est magnifique quand tu ouvres tes volets, t'as tout de suite des bêtes qui rentrent. Des bêtes que t'aimes pas forcément qui se rentrent dans ta chambre. Donc voilà, t'aimes pas qu'une bête rentre dans ta chambre déjà de base, mais quand t'as une bête qui pique, qui fait bzzz, et en plus qui empêche du coup de tourner la vidéo, bah t'es pas très content. Alors lui il a subi un petit choc de quand j'ai renfilé le bouchon comme une abruti. Voilà, donc c'est pour ça qu'il a un peu une tronche chelou. Mais il est trop beau. Voilà, je me rapproche, je vais voir ma face, plein de boutons, revenant les cours. Et en fait, il y en a plus beaucoup parce que ma mère, bah voilà, elle a récupéré, c'est une seconde main et je sais pas pourquoi, enfin il est un peu la boîte et beaucoup trop beau. Alors je vais le mettre au dessus parce qu'en dessous comme je mets mon bras collé à moi, je vais pas m'en foutre partout. Voilà, donc voilà, il est trop beau. Donc il est pailleté, mais c'est vrai que c'est aussi un coup de cœur. Voilà, je sais pas si la mise au vent vient vouloir se faire, mais non, comme d'habitude, mais voilà, il est trop beau hein. Mais voilà, ah. Celui-là, franchement, je pense qu'il existe encore. Voilà, comme j'ai récupéré, j'ai envie de regarder s'il existait, mais je pense qu'il existe toujours. Et franchement, bah, quand j'en aurai plus, je le rachèterai. Voilà, c'est l'histoire de ma vie. Ensuite, deuxième relève de L'Oréal que j'ai aussi récupéré de ma mère. J'ai dépouillé ma mère. Donc, c'est un L'Oréal, hein, mais ça que j'ai déjà dit. Oh là là. Numéro 704, Color Rich Stay, je sais pas quoi. L'Oréal Paris Caramel Eva, donc c'était Eva Longoria, je pense, la marque, enfin l'édition, et c'est un marron, voilà, qui en a plus beaucoup aussi. Donc voilà, c'est un marron, il est très beau, mais il est pas, enfin, il est, bah je sais pas comment expliquer en fait, il est brillant, et enfin je sais pas comment expliquer, voilà comment il est,
Mais vous voyez, il est un peu transparent. Comme l'autre, hein, il est un peu transparent. Il n'est pas totalement uni. Enfin, d'un coup, on voit le... Enfin, je sais pas, c'est bizarre. La même qui ne sait pas expliquer. Oui, je sais, c'est pas de base. Je suis youtubeuse gaming. Après, voilà, je dérive, je grandis. J'ai envie de vous présenter d'autres choses, dont du maquillage, parce que je kiffe ça. Dont les rouges à lèvres, parce que c'est une grande passion pour. Troisième, quatrième, je ne sais pas compter. Quatrième, c'est le troisième sur moi, mais avec les gars, c'est quatrième. Bref, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de dire que dit. Bref, on s'en fout. Oh là là, je raconte de la merde. La vidéo va durer un siècle, alors qu'elle aurait pu durer 5 minutes. De la marque Bourjois Paris. Rouge édition 12h, je cherche le numéro. Et comme d'habitude, c'est écrit en tout 12h34. Voilà, donc c'est un rouge. Hein, voilà, y a pas plus basique qu'un rouge. Voilà. Je vous le souhaite chier, même si vous le connaissez, parce que je le porte généralement souvent. Ok, au fur et à mesure que ça passe, ça part. Hein, je vais finir là. Hein, donc, on va voir peut-être que je vous mette tout ça. Donc, voilà, vous voyez, par rapport aux autres, il est beaucoup plus intense. Et franchement, je le kiffe. Il tient super bien, hein, franchement. Franchement, celui-là, je peux vous dire que je le kiffe grave et que franchement, vous pouvez y aller sans aucun. Enfin, après, ça dépend. Parce que moi, j'utilise pas trop ma bouche, je pense. J'y garde souvent mon rouge à lèvres longtemps. Et que même le matin, après me démaquiller, parce qu'en fait, avec mon démaquillage, j'arrive jamais à avoir tout. Voilà, ça me saoule très vite. Donc, du coup, je dors avec. Voilà, c'était pas très bien. Mais voilà, au bout d'un moment, quand t'as usé trois cotons, ton démaquillant, tu le vois baisser une vitesse grand V, tu te dis, ok, si je fais ça tous les jours, on est pas rendu. Et le matin, quand je repasse une coup de lotion, et bah il y en a encore. Voilà. C'était l'histoire de rouge à lèvres. Deuxième, quatrième, je ne sais plus combien. Autre rouge à lèvres, c'est aussi la marque Bourjois Paris Rouge Édition. Cette fois-ci, c'est pas l'édition 12h. Mais il tient aussi très bien, sur moi. Mais l'autre tient beaucoup plus en fait. Hein. Celui-là, je crois pas que je tiens une nuit. Ou je tiens une nuit, mais vous savez, c'est le reste du résidu dans les débuts de peau. Parce que j'ai la peau qui sèche et du coup, bah. Voilà, bref. Numéro 07, Fuchsia Graffiti. Ah, c'est écrit là, non? Comment il s'appelle, lui? Sherry My Sherry. Eh. Donc voilà. Donc là, c'est le Fuchsia Graffiti. Et il est également très très beau. Alors, je regarde à chaque fois, partout. Parce que je suis pas très douée de, voyez-vous, de mes doigts. Hein. Pourquoi je mets toujours le rouge à lèvres là? Je ne sais pas. En fait, c'est quand je mets dans une version, ouais. Parce que j'arrive pas avec mon rouge à lèvres, hein. C'est l'histoire de ma vie. Voilà. On va le mettre. Il est trop beau. Je l'aime trop. Franchement, j'aime beaucoup trop. En fait, je crois que j'aime beaucoup trop mes rouges à lèvres. Voilà. Mais c'est vrai que... il est trop beau, lui. Donc, les éditions comme ça, je les kiffe trop. Après, il y en a une autre que je vais vous présenter juste là aussi. La marque Bourjois Paris. Rouge édition 12h. Alors, étrangement, c'est exactement pareil que le rouge. Hein. Le rouge, je le tiens plus de 24 heures. Lui, je ne sais pas. Il tient, mais je ne sais pas pourquoi, il doit être parti, disparu, porté disparu au bout d'un moment, hein. Voilà, hein, il est... Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce rouge à lèvres là, parce que les autres collections, ils sont super. Après, je ne sais pas, hein. La couleur est très très belle. Après, je l'ai emmené un peu partout, d'où l'état du tout griffé, parce que j'avais mis avec une jambe, pas très habitude. Mais je le traînais en fait partout, parce que comme il est assez nude, et ben je le traînais partout en cours. Et peut-être qu'il a pris coup de froid, et c'était pour ça qu'il est devenu bizarre. Parce que même quand, enfin voilà, par rapport aux autres, ils sont assez crémeux, lui il est un peu sec. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé dans lui, c'est le numéro 32 Rose Vanity. Parce que voilà, les autres éditions que j'ai n'ont aucune. Enfin voilà, j'ai rouge édition 12h exactement comme le rouge. Et franchement, il n'y a aucune chose à redire sur celui-là. Mais sur lui, ben je sais pas pourquoi ce qui s'est passé. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai traîné un peu partout. Donc peut-être que la variation de température, bah ça fait qu'il ne soit pas très très bon. Maintenant, je ne sais plus ça avec mes rouges à lèvres. D'accord, j'ai compris de mon erreur. Enfin, si c'était une erreur, mais voilà. Bah, parce qu'avant, il était bien, donc je pense que c'est ça. Voilà, donc maintenant, je traîne mon rouge à lèvres en fonction de celui que je mets le matin, voyez-vous. Par exemple, ce matin, j'ai mis celui-là, donc j'ai traîné l'autre pour en remettre. Non, je vais même pas pris ce matin parce que si c'est midi, donc ça sert à rien. Je ne mangeais pas là-bas, donc voilà. D'où pourquoi j'ai mon après-midi, donc pourquoi j'ai autant une petite vidéo. Rouge à lèvres suivant. Alors lui, c'est le dernier que je viens d'acheter, que j'ai posté une photo sur Instagram, mais peut-être que quand vous aurez cette vidéo-là, ça durera super longtemps, parce que voilà, on tombe quand j'ai le temps, je poste quand j'ai le temps.
C'est de la marque Maybelline New York. Ok, j'ai bugué. C'est un mat, c'est le numéro 886 Berry Bossy. Et il est canon. Voilà. Je voulais absolument un violet. Décidément. Je voulais absolument un violet. Foncé, mais pas trop foncé. Et en fait, en voyant le petit capuchon comme ça, j'avais peur que ça fasse un peu trop cassis. Mais en fait, non. C'est la couleur que je voulais. Donc, est-ce que ma couleur était cassis ou est-ce que ma couleur était ça? Alors, ça fait des morceaux parce que je crois que c'est de la merde quand je l'ai mis. Je crois que j'appuie un peu trop, ça c'est un peu extrait. Ouais, il est trop beau. Franchement, il est trop beau. Bon, évidemment, les couleurs à la caméra, elles sont légèrement différentes. Mais globalement, elles sont comme ça. Et il est vraiment très très beau. Franchement, je le kiffe beaucoup. Et franchement, pour un foncé, d'habitude, j'aime pas trop mettre des trucs foncés parce que j'aime pas quand on voit l'intérieur de Dédé, voyez-vous. Là, on voit pas trop. Mais j'aime pas trop, du coup, des rouges à foncer quand je vois sur les gens. Donc, du coup, je me dis que sur moi, j'ai pas aimé. Mais celui-là, il passe crème. Voilà. Et en plus, il est mat. Et mat, j'ai un gros problème. Okay. Quand je mets mon bras comme ça, ça a l'air plus ou moins droit. Et quand je mets mon bras normal, c'est sympa. C'est terrible. On adore. Ensuite, ça, c'est mon premier rouge à lèvres à moi-même. Voyez-vous que je n'ai pas volé. Alors, peut-être que les rouges à lèvres, ça a une durée de préhension. Que tu n'étais pas censé utiliser longtemps. Nanana. Moi, je pars du principe d'une fois qui maquille. Pourquoi le jeter? Hein, voilà. Tant que bah, il est pas sec, il se casse pas, il se frite pas ou je ne sais quoi. Je vois pas pourquoi je le jeterai. Lui, ça fait un bail que j'ai utilisé, peut-être que pas utilisé. Donc peut-être quand je vais tester, je vais venir. Il est foutu, poubelle. Bref, donc ça c'est mon premier rouge à lèvres. C'est un très nude, vous pouvez voir. Parce que bah, le premier rouge à lèvres, ma mère ne voulait pas de couleur excessive. Vraiment, voilà. Du coup, bah parce que voilà, j'étais pas, je crois que j'étais au collège. Début collège. Donc du coup, bah, ma mère m'avait autorisé à m'acheter un rouge à lèvres, voyez-vous. Mais couleur nude. Voilà. Que j'ai quand même pas mal usé. Et voilà, c'est la marque. Je crois que c'est la marque. Mais je crois que la marque n'existe plus. Donc c'est pour ça que ça doit être. Je vois pas comment on peut le trouver. C'était la marque Carrefour Cosmétique là. Vous voyez avec le petit C. C'était numéro 09, le rouge hydratant. Mais franchement, je sais pas si on peut encore le trouver parce qu'il est vraiment, vraiment vieux. Et voilà. Mais je mets même plus en fait. C'est juste pour qu'il y ait un petit décor en plus. On va voir comment il fait. Hein, voilà. Non, ça va, il reste crémeux. Il a l'air encore d'être potable, voyez-vous. Voilà. Mais voyez-vous, il est vraiment très nude. Hein. On voit rien sur les par rapport aux autres. C'est voilà. Il est un peu de brillant. Quoi, ça s'arrête là. C'est pour ça que je mets plus non plus. Donc voilà. En même temps, je vais faire un test, voyez-vous, si je vois que j'ai une plaque de boutons qui sort à l'endroit où j'ai mis le rouge à lèvres, il serait plus bon, je ne le mets plus dans mes lèvres. Ensuite, rouge à lèvres suivant, enfin, en fait, je vais parler des deux en même temps, parce qu'en fait, c'est, vu l'état, vous avez vu que je trimais un peu partout, hein, voilà, c'est de la merde. Ah, c'est des sous-marques, c'est pas de la marque, genre, comme L'Oréal, Bourjois Paris, tout ça. C'est la sous-marque. Cool Girl. Voilà, je ne sais même plus où on peut les trouver, ces trucs-là. Je ne sais même pas si on peut encore les trouver, c'était une sous-marque. Je crois que j'ai vu ça dans un calendrier de l'avant, le maquillage. Mais, version bas de gamme, hein, oui. Enfin, pas bas de gamme, mais je coûtais cher parce qu'il y a plein de trucs de maquillage, mais. Voilà, c'est pas pareil, quoi. Hein. Je sais pas combien à l'unité pour écouter, mais. Voilà. C'est pas la folie, mais je vous en ai déjà parlé, je crois. Putain, donc que je kiffais beaucoup celui-là. Et c'est vrai que récemment, j'ai fait un swatch pour voir en fait comment il était, parce que je m'en rappelais plus trop. Je voulais voir un peu. Et en fait, il est crémeux celui-là. L'autre, je m'en rappelle plus, parce que l'autre, je l'ai pratiquement pas mis. Et il est très joli aussi, hein, un peu une gamme entre celui-là et celui-là. Et il est joli, un peu pailleté, mais je crois qu'il sèche beaucoup les lèvres. Déjà que moi, j'ai les lèvres qui sèchent vite. Quand je les rouge lèvres, parce que je préserve mes lèvres. Du coup, bah, si j'ai pas un rouge à lèvres crémeux comme celui-là qui est crémeux, qui. Enfin, il est liquide donc du coup il sèche pas mes lèvres. Ceux qui sont comme ça, s'ils sont pas très gras, très crémeux, bah j'ai mes lèvres qui sèchent et c'est pas forcément top. Alors lui, je crois que j'ai utilisé 3 fois, hein, vous voyez la taille du raisin. Il est abîmé, je sais pas ce que j'ai foutu avec, mais c'est pas grave, hein. Et je ne me rappelle absolument plus de quelle couleur il fait. D'accord. Je comprends bien pourquoi je l'ai pas mis, parce qu'il n'y a aucune couvrance. Enfin, si, il y a une couvrance quand même, mais c'est comme l'autre en fait. Hein.
comme le vieux là, le celui de Carrefour. Il est un peu plus rosé, hein, mais sinon il n'y a pas beaucoup de couvrance pour autant. Hein. Ça reste très léger. Peut-être que la caméra il sort plus, mais en vrai c'est pas ça quoi. Hein. Et voilà. Je crois qu'il est très difficile si on dépasse à étaler. Enfin, il y a une mouche qui vient de rentrer en direct. Ensuite, on va finir par le dernier rouge à lèvres que j'ai piqué à ma mère. Encore une fois, pour finir, hein, c'est de la marque Bourgeois. Je crois, oui. Bourgeois Paris, Sud Kiss, numéro 41, beige élégant, rouge à lèvres. Donc, je sais pas si on peut en trouver parce que voilà. Et ma mère, je crois qu'elle aime bien les couleurs un peu comme ça. Donc, je crois, je sais pas, parce que maintenant, comme j'ai piqué tous ces rouges à lèvres, c'est un peu compliqué quand même. Donc, voilà. Alors, on va tester. Hein. On voit concrètement que dalle. Je comprends même pourquoi il est au fond plein de poussière, voyez-vous. Un peu appuyé. Ouais. Il est pas dégueu comme couleur, franchement. J'ai l'impression de découvrir un rouge à lèvres. On va parler trop que je mets tout le temps, mais sinon, j'aime bien le packaging. Par contre, il est rigolo. C'est avec un petit truc comme ça qu'on pousse et je trouve qu'il tombe. Voilà. Je trouve ça rigolo. Mais blague à part, la couvrance, bof. Hein. Voilà, voilà. Alors là, les petits morceaux, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Donc voilà un peu pour tous mes rouges à lèvres, j'en ai pas d'autres. Vous aurez pu voir qu'il n'y avait pas de trou parce que j'ai mis un baume à lèvres, la Bello. Voilà. Pour compléter le trou, parce que j'aime pas quand il y a des trous. Voilà. Avant, quand j'avais pas beaucoup de rouges à lèvres dans ce petit truc là, et ben je mettais mes baumes à lèvres. Et quand j'avais plus de baume à lèvres, ben, je me servais pour porte de pinceau. Voilà. C'est l'histoire de la vie. Donc voilà pour les rouges à lèvres, la vidéo va durer 20 minutes hein, pour quelques rouges à lèvres, je ne sais pas combien il y en a, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 rouges à lèvres pour vous aimer ça. Je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, des vidéos, make-up, c'est ça aussi. Mais je vous oublie pas, je vous kiffe parce que vous êtes encore à vous abonner malgré qu'il n'y a plus trop de vidéos, c'est ça que je suis trop content. Début juillet, le planning revient au taquet. Nouvelle série, tout. J'ai un peu prévu dans ma tête. C'est nickel. Bon, après, il faut que j'ai le temps de tourner. C'est vrai que après le bac, j'aurai le temps. Après le bac, juste après, j'ai un mariage. Voilà. Et après, bah après, je vais pouvoir tourner. Oui. Je vais pouvoir tourner. Je suis trop contente. Mais voilà. Vous en foutez. D'ici le temps que j'aurai le tourné, vous aurez déjà vu cette vidéo ou pas. Quasiment, je vais jamais avoir le temps de publier. Delphine, arrête de blablater. Ça va durer un siècle. Dis-leur au revoir, bonne fois pour tout, hein, hein la mouche, Géraldine, je vous fais plein gros bisous, j'embrasse Géraldine, voilà, s'il y en a qui me regardent, la bise à eux, je vous fais plein gros bisous, je dis à tout le monde une fois, c'est pas grave, je continue, je vous fais des bisous, hein, des bisous plein rouge à lèvres, et on se retrouve donc vite pour de nouvelles aventures, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça me ferait plaisir, à me dire pourquoi pas vos préférences de rouge à lèvres que j'ai ou vous. Que vous avez et que vous pourriez me conseiller parce que rouge à lèvres, voilà, j'ai pas envie de mettre mon argent si le rouge à lèvres me plaît guère, donc voilà, si c'est votre petit préféré, bah, peut-être que ça va être le mien aussi, donc voilà, dites-moi en commentaire, je vais interagir son, voilà, bref, je vais pas